Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Donc dans ce tutoriel, je vais vous montrer une des nouveautés de la version 2.75 de Blender. Enfin, deux nouveautés, une plus importante que l'autre. Cette nouveauté est concernant le texte. Donc pour cela, nous allons faire Alt-R, Alt-G sur la caméra. Nous allons passer juste au-dessus. Nous allons passer en vue caméra en appuyant sur 0. Nous allons faire Shift-A pour ajouter un texte. Sur texte, donc du coup, nous allons faire G. On va garder texte comme ceci. Donc la caméra, la position de la caméra n'était pas forcément obligée, mais bon, c'est mieux après si on veut faire le rendu de notre texte, puisque cette modification concerne le texte. Donc on va cliquer sur le petit F ici, aller dans ici le répertoire, et on va choisir un fond, c'est-à-dire un style d'écriture, une police d'écriture pour notre texte. Donc pour cela, nous allons aller dans C, dans Windows, puisque je me trouve sous Windows, et nous allons aller dans Font, qui se trouve ici. Alors jusqu'à maintenant, lorsqu'on choisissait une nouvelle police de caractère pour Blender, eh ben on voyait pas les polices. C'était comme ça, voilà, on avait Arial. Bon, Arial, on peut imaginer encore, mais par exemple, si on voit une police comme Guramon Pro Italique, on sait que c'est en italique, mais après, sauf pour les spécialistes des polices d'écriture d'ordinateur, on sait pas c'est quoi. Et il y a une nouvelle fonction en ce qui concerne les polices dans cette nouvelle version, c'est que en cliquant ici, eh ben, on a directement un aperçu de la police, et donc on peut choisir le type de texte que l'on veut beaucoup plus facilement. Hein. Bon, avant il y avait d'autres types que j'utilisais de temps en temps, c'est que j'ouvrais un bloc-notes et je regardais toutes les polices de caractères, mais bon, ça c'était un peu embêtant. Ça faisait un moment que j'attendais cette fonction, pardon. Ça faisait un moment que j'attendais cette fonction pour Blender. Hein. Elle a mis du temps à venir, mais voilà, on l'a. Pas pour toutes les polices. Hein. Toutes les polices ne sont pas gérées par Blender, comme vous pouvez le voir. Mais voilà, c'est je trouve très sympa. Et ça permet de pouvoir avoir une vue instantanée de ce qu'on veut faire et de pouvoir l'appliquer. Par exemple ici, faire une police un peu style Moyen-Âge, ça peut être sympa. Tiens. Je vais choisir celle-ci. Et voilà. Donc pour l'autre fonction, alors pour cela nous allons aller dans Try. Dans le File Browser, excusez-moi, et nous allons aller ici dans la même fonction ici pour avoir un aperçu, voilà comme ceci. Et la nouvelle fonction, c'est que l'on peut choisir ici la taille de l'aperçu que l'on va avoir en small, en large, en normal, en large. Voilà. On va aller où il y a des aperçus. Voilà. Donc ça permet vraiment de pouvoir avoir une vue plus grande en fait de nos aperçus afin de mieux voir en fait les aperçus vidéo. Donc là ici j'ai que des vidéos, mais c'est aussi valable pour les images. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura plu. Désolé pour les quelques petites hésitations que j'ai eues. À très bientôt pour un prochain tutoriel.